Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. 32e épisode de Far Cry 4, libération d'otages en ce début d'épisode. Comme promis évidemment, je vous rappelle que dans le dernier on a fait les dernières missions de Longinus. Longinus Lanus qui prêche évidemment les paroles du dieu, mais en fait qui se fait du business et qui va partir du coup à Cuba. Là du coup on va chiller tranquillement, petite mission secondaire. Donc là on va faire une libération d'otages. Je rappelle qu'on a débloqué un lance-roquette de zinzin apparemment, puisqu'il peut verrouiller les cibles. Oh, c'est incroyable, et il verrouille super loin. Donc on va voir. Allez, 4 otages à sauver par ici. Oula. Ah oui, ils sont dans une grotte en plus. Alors là on est dans le caca. Là on est dans le caca parce que va falloir être assez malin. N'oubliez pas le like, j'espère que vous passez un bon moment. Voilà, j'aurais bien aimé monter plus facilement. Mais enfin, le mec il arrive à accrocher du premier coup son grappin. Je t'avais pas vu. Je l'avais pas vu le coco là. Oh là, ça va être complexe, dites-moi là. Parce que je pense que ça a l'air d'être une grande galerie souterraine. Oh là là. Alors attendez, on va juste prendre de la hauteur. Sur un malentendu. Sur un malentendu, tout à fait, j'ai bien fait de passer par là. Oh putain, je suis un boss. Oh ouais mon pote. Oh ouais mon pote, j'ai bien fait d'être passé par là. Bon, j'ai les 3 otages. Alors attends, déjà toi. Voilà. Pas le temps de niaiser. Arrête de me regarder. Là tu parles toute seule là. Concrètement Ok. Ah mince. Ça va être l'occasion de faire un bel enchaînement. C'est bien parce qu'il voyait pas ma lumière. J'adore ce jeu. Oh, je suis dead. Pourquoi ce jeu? Pourquoi ce jeu n'a pas voulu faire l'exécution? On avait de quoi faire un super joli truc. J'ai tout foiré, mais c'est pas grave, j'ai sauvé tout le monde, c'est l'essentiel. Hop. Je suis libre. Tu es libre. Rien d'importance. Tu es libre. Tous les otages sont libres. Bon, faut juste que je trouve le quatrième parce que, comme d'hab, je sais non, pas où il est. Non, je suis sûr que c'est encore un sale coup. Je le sais. Mais elle est complètement parano, celle-là, c'est pas possible. Où est le quatrième otage? Je suis complètement con ou quoi? Mais attendez, il est où le quatrième otage? Non, mais là, on se fout de moi. Il me manque un otage, mais il est peut-être là. Edgy, merci d'avoir sauvé. Chaque personne que tu sauves est un nouveau soldat pour le Sentier d'Or. Et grâce à toi, nous en avons maintenant beaucoup. Ah, j'espère que vous êtes contente d'entendre la douce voix d'Amita. Moi, vous savez qu'Amita, dans la vraie vie, c'est le genre, c'est mon genre de femme. Le moment confession qui n'a aucun sens. Ah, mais il est là, l'otage. Bah du coup, c'est bon. Ok. Let's go. Bon bref, voilà, voilà qui est fait. Ça tombe bien, on est à côté d'un avant-poste. On va faire donc le Shinkapur qui a 3 alarmes. Et puis après on ira faire le clocher. Et puis après on ira faire ça. Et puis après on ira faire ça. Bon bref, t'as compris quoi. T'as compris l'idée de ces épisodes. Mais par contre 3 alarmes mon ref, ça va quoi. Là 3 alarmes encore, je pense que maintenant c'est vraiment plus grand chose. Parce que les prochains ça va être 4, 5, 6. Le goulag. Disons la forteresse de Paganmin, évidemment que ça va être une dizaine d'alarmes, quelque chose comme ça. Voilà hein, le goulag de Poutine n'a qu'à bien se tenir, j'ai envie de vous dire. Pout 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 Poutine. Confectionné, voilà. Événement de karma, le temps que j'arrive ils vont tous être morts. Sauver les otages. Voilà. Donc là je peux pas monter, donc ils vont mourir tout simplement. Voilà. Bah bon courage à vous hein. Oh non. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Arrête. Oh, sapristi saucisse. Qu'est-ce que tu me veux toi? Ah, j'ai encore de quoi sauver les otages, peut-être. Ah, oui, c'est bon, ok, c'est bon, j'ai l'info. J'ai l'info. Alors là, j'ai juste intérêt à pas me foirer. Ah, bah parfait. Voilà, attaque 1, parfait.
Voilà. Ça c'est de la coop. Ça c'est de la coopération ça. J'ai coopéré avec la faune. Voilà. M coopération. Les animaux sont nos amis. Il faut en prendre soin. Comment je monte? Bon bah je l'ai sauvé mais il est mort maintenant, voilà. Allez, mais comment on monte là ce jeu de mort? C'est ouf. Non vraiment c'est pénible hein. C'est pénible, t'as des sortes de chemins comme ça et au final, regarde c'est un cul-de-sac. Y'a rien au bout. Oh putain, ça a été super bien pensé ça hein. Ah. Oh, finalement je préfère peut-être le wingsuit. Bon. Eh ben on se débrouille comme on peut. Ah ouais non mais frère en fait je peux même pas faire ce que je pensais. Bon bah écoutez, c'est pas grave, hein. On va passer par là. Wingsuit. Wouhou. Ok, 200 mètres. Ouais, on va suivre la route, hein. Ce sera le mieux à faire. Oh. Oh, des pommes. Des pommes qui volent. Incroyable. C'est pas des pommes, c'est du chou. C'est pas grave, c'est pareil. Allez, on est arrivé. La fumée, la fumée, la fumée. Là, vous savez que cet avant-poste, en fait, c'est digne de la première forteresse qu'on a fait au final, hein. Et ça c'est dingue. Salut à tous, c'est Nico, c'est Agas, bienvenue dans 50 minutes inside. Je l'adore Nikos. Ah je l'adore. Je me demande si ça verrouille que les véhicules. Ou si ça verrouille aussi les mastodontes. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. J'espère que ça tire aussi sans verrouiller par contre. Parce que si on peut pas tirer justement sur les méchants, c'est un petit peu embêtant. Bon. Ceci étant dit, ceci étant fait, j'ai deux emplacements d'alarme déjà, c'est pas mal. Ah, j'ai pas le choix de passer par là, ce qui va nous poser quelques petits soucis. Tu parles tout seul? Shikarpur. Shikarpur. Eh bien, ok, donc je vois sur la map les trois alarmes. J'en ai une en joue, mais je serais capable de la foirer, donc dans tous les cas, on va éviter. Oula. Ok, bah comme d'hab, hein, prendre un maximum de hauteur. Vous croyez que je peux tenter un truc là? Pas vraiment hein. Oh. Lui je l'avais pas vu. Je peux pas. Si j'ai une seringue. Voilà. Voilà. Bon. Oh non mais c'est pas vrai, excusez-moi si je parle pas mais vous voyez ce genre de problème là sur le jeu, c'est fou. C'est fou. Bon j'ai une alarme là mais le problème c'est qu'on s'en fout, il y aura les autres qui vont poser problème. Bon allez. De toute façon je suis con tant qu'ils me voient pas. En fait tant qu'ils me voient pas ils activent pas l'alarme. Même si ils savent que je suis là donc en vrai. Bon, je me suis fait cramer, mais c'est pas grave. Ok. 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 C'est très technique. Ah, c'est bon, ils veulent plus chercher, ça y est. Ok, dernière alarme. Bon, bah voilà. Allez, ça va en vrai. Hein. Il suffit d'avoir la technique. Il suffit d'avoir la technique. Il y a deux mastos. Alors attends, viens voir. Hop là. Ok.
Un véritable massacre. Voilà. Ok. Toi aussi, sois débile. Attends, on va essayer de lance-roquette. Ah! Je m'attendais vraiment à mieux. D'accord. Oh putain! Oh non, c'est mortel en fait. Ok, c'est mortel. Ok, c'est mortel de ouf. Je pensais pas que c'était un lanceur comme ça, pour être honnête. C'est un mortier en fait. C'est un putain de mortier. Moi, je pensais que ça tirait droit. Oh, c'est excellent, regardez ça. Voilà. Regardez les feux d'artifice, hein. Regardez-moi les feux d'artifice. Ah. Alors, le seul problème, c'est que je m'en suis pris aussi dans la gueule. Viens voir, mon ref. Bah oui, c'est moi. Viens voir, j'ai envie de te cut. J'ai envie de te cut. Ouais. Il est con ou quoi? Je veux te cut. Ouais. Le câlin, bien sûr. Allez, plus que 4 petits avant-postes. Chikrapur, Chirkapur. On l'a purifié, c'est le cas de le dire. Oh, la belle vallée quand même. Magnifique. Ah, la montagne, ça vous gagne. Ok, ceci étant dit, ceci étant fait. Hop, on va quand même fouiller un coup l'artilleur. Ah, j'aime bien ce lance-roquette, mais j'avoue que compliqué. Alors, s'il verrouille les véhicules, c'est cool. Donc, ça va en vrai. Ouais, si, ça va en vrai. On a des libérations d'otages apparemment. Alors, toi, tu vas te détendre, toi. Tu vas me parler sur un autre ton. J'ai une libération d'otages. On va faire encore une petite libération d'otages. On est là pour ça, les amis. Je pense que dans le prochain épisode, on ira voir Yogi et Reggie. Hein. Libérez-moi avant qu'il me. Libérez tous mes copains. Hop. Ça se passe où? Ça se passe où? Ça se passe là-bas. Très bien. Atteignez les otages, let's go. Ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut y aller en wingsuit. Wouhou. Wouhou. Ok. On va se poser par derrière. Ah. Voilà. Je me suis trompé d'arme, j'ai ramassé une P416. J'avais pas fait attention. Putain, fais chier. Fais chier. Ah. Là, on est dans le caca, là. Hein. On est dans le caca Bouddha. Je peux pas me confectionner une nouvelle seringue, c'est dommage. Là, j'aurais bien aimé. Parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. La zone a l'air très grande, je pense que c'est également souterrain. Pour être. Pour être honnête. Oh là là. Bon, déjà un otage. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je le vois sans bouger les lèvres. Bon, oui, ça se passe en grotte. Donc on va s'occuper du sniper. Tu vois, le sniper, il est placé là, mais c'est complètement débile. Tu viens par en haut, par derrière, et puis tu... Je comprends pas. Je comprends pas leur logique, mais enfin bon. Ah. Peut-être pour ce genre de choses. J'ai failli vraiment me faire niquer. C'est bon, ce reste le cul par terre a bouffé des racines toute la journée. Ça leur fait du bien de bosser. Ah! Ça devait pas se passer comme ça. Ah, les cadavres qui tombent, c'est ma hantise. Hein. J'ai intérêt à me dépêcher. Ah, c'est bon, il est caché. Deuxième otage. Ok. Oh putain, fais chier. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Oh non, les gars, arrêtez. Ah oui, d'accord. Bah ouais. Bah ouais, mec. Mais les... Alors en plus, ouais, en fait, le RPG, il m'aurait sauvé, quoi. Là, le RPG, il m'aurait sauvé si j'avais une bonne arme aussi. Là, le problème, c'est que j'ai ramassé une mauvaise arme. Je suis absolument dégoûté. Ah purée. Comment foutre en l'air une mission, quoi. Pas facile. Pas facile. Je vais me faire cramer d'où là? Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord. Ah oui. Bref, c'est dur de savoir si vous les nourrirez trop. Pas assez. Faudra faire gaffe.
gaffe que pas un seul ne crève. Il faut préserver les ressources de vie. Reste ici. Voilà. Ça nous fait gagner un petit peu de temps. Tu veux pas rester ici, monsieur l'otage? Ok. Ah, oh, je me chie dessus. Je vais pas foirer la mission. Seringue d'overdose. Ok. Ah ouais, vous subissez le double de dégâts et vous infligez le double de dégâts. Mais c'est de la merde, cette seringue. C'est vraiment de la merde. Bon, là, j'ai deux otages à préserver, au moins. Qu'est-ce qu'il y a? Libérez-moi, allez. Ok. Ok. Oh, ce jeu de merde. J'ai tué pas de civils innocents, j'ai tué personne, frère. Ah, c'est vrai qu'on peut les assassiner comme ça, putain. Bon, le problème, c'est que j'ai perdu deux otages. J'en suis absolument désolé, on peut pas refaire l'histoire. J'ai toujours géré. Là, le problème, c'est que j'ai pas géré. Tout simplement parce que bah, j'avais pas les armes qu'il me fallait. D'accord. Bah, ça, c'est un petit peu embêtant. J'en profite pour ne pas libérer les deux autres otages et je me barre. Moi, j'ai fait ma mission. Waouh. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cet endroit absolument incroyable? Je ne sais pas. Mais c'est absolument, absolument stylé. Bon. Regardons la carte un petit peu. Je suis un peu déçu quand même. Hein. On a un clocher ici. Du coup, qu'on va illico faire. Là, si j'ouvre mon wingsuit, je suis cuit. Mais je le fais quand même. Allez, n'oubliez pas le pouce bleu. Et ça me gonfle, mais ça me gonfle. Et mais c'est bien fait aussi. Là, il faut le dire. Il faut le dire. C'est que c'est quand même bien fait, quoi. En vrai, c'est quand même bien fait. Attendez, je vais vous aider. Voilà, regardez bien ce qui va se passer. Les innocents vont y passer, hein, mais c'est pas grave. Oh non. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Je deviens pire que Pagan. Hop, allez. Bouffon. Bref, où est l'avant le clocher là? Il est en face là, hein. C'est ça, c'est le truc qu'on voit là-bas. Ouais. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. C'est de la mauve ça. Pour moi c'est bleu, hein, mais bon. Allez. Je suis peut-être un petit peu daltonien. J'adore le concept. Ah, j'aurais pu leur prendre la voiture. Attends. Attendez, 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 messieurs dames, vous avez besoin d'aide? Ah, je vois ça là. Attendez, je m'en occupe. Ah non, t'as pas besoin d'aide, c'est bon. Tu t'enlèveras devant la voiture. Ah, il est en train de dépecer un animal qu'il a écrasé. D'accord. Allez, on va aller à l'avant-poste. Alors bon, il me dit de prendre la route, moi j'en ai rien à péter moi. Hop là. Moi je m'improvise un petit chemin. Moi j'ai peur de rien. Boula, boulangerie d'Anjali. Oh, une grotte. Voilà, on fait du tout terrain nous. On fait du tout terrain. Et ben voilà. Eh, je suis un boss ou je suis pas un boss? Je suis juste au pied. Au pied du monde. Comme on dit finalement. Sur le toit du monde. Voilà, mais il y a plein de... Wow, le drift qu'il a fait, trop stylé. Trop stylé le drift. Le drift de dingue. Oh là, ça rugit fort là. Oh merde, un tir. Putain, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Wow. Quoi? Oh non, c'est injuste. C'est bon, lui il est mort. Par contre, du coup, là, dans l'avant-poste, ils sont pas contents. Ah ouais, ils sont en train de descendre tout le monde là.
Attends mon ref, qu'est-ce que cette histoire? À cause du léopard, j'ai tout foutu en l'air. C'est un truc de ouf. Mais c'est pas grave, au moins ils seront occupés. Moi en attendant. Attends. 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 Tais-toi. Voilà. Châssier sur le champ, qu'est-ce qu'elle raconte elle? La lumière de Pagan vous gagne. Allez. Merci à tous, bonsoir. Ah ouais, il a tiré du mortier là, le bâtard. Oh. Eh, trop bien fait. Le mec qui meurt à l'infini. Ah non, mais arrête de récupérer des armes. Oh, on se croirait sur Far Cry 3 avec ce sniper. Je peux récupérer une bonne arme là? Oh, j'ai fait n'importe quoi là. Bon, ouais. On ira dans un avant-poste avant toute chose là, hein, parce que... c'est par où qu'il faut aller? Là. Amita. Amita, elle nous attend. Bonus de karma, très bien. C'est bon ça. J'aime les bonus de karma après avoir tué des innocents. Hop là. Que la lumière pagane vous inonde, bien sûr. Sur ces 12 paroles, j'ai envie de vous dire que je sais pas où je dois aller. Ah, ah. Excellent ça. À la one again. L'arme spéciale déchiqueteuse est maintenant disponible. Let's go. Ça va déchiqueter un max. Ça va déchiqueter un max. Un max de like évidemment, s'il vous plaît. Je vous remercie d'avance. Merci à vous pour votre fidélité depuis le jour 1. C'est le jour 1. Celui qu'on retient. À la boulangerie, on y est passé tout à l'heure. D'ailleurs, ça y est, ça fait un mois qu'on a commencé le let's play. Un mois. Mais je pense qu'on va le finir au bout d'un mois et demi, du coup. Même pas. Un peu moins. Voilà le sanctuaire. Et voilà la mine de Tindara. Ah, elle s'est brisée une côte. Ah, faut y aller doucement quand même. T'as plus 20 ans. Hein. Ok, ça c'est vert, les amis. C'est vert. Et moi, je profiterai d'enchaîner avec les mines Keo. Mais le problème, c'est que mes armes sont pas bonnes. Donc, à moins qu'on trouve un marchand, mais ça m'étonnerait parce que c'est pas safe du tout. Putain, Amita, elle est juste là. C'est un truc de dingue. On va pas le faire. 3 alarmes, l'avant-poste. Ok. Bah écoutez, je fais un TP rapide, le temps de me restuffer avec les bonnes armes. Et on se retrouve devant l'avant-poste, les amis, je vous dis à tout de suite. Allez hop, plus que 400 mètres, j'ai refait le plein de munitions, j'ai récupéré des armes. Bon, je suis passé à côté de certains trésors. Comme d'habitude, ce n'est pas bien grave. On arrive du coup tranquillement mais sûrement au niveau de notre avant-poste. Qui elle aussi a 3 alarmes. Bah alors, j'ai eu chaud au kiki là. J'ai eu chaud au kiki. Attendez, j'enchaîne. Est-ce que j'enchaîne ou pas? Attendez. Regardez bien. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon. Bah ça m'aura prouvé que c'est vraiment nul à chier. Pourtant j'ai verrouillé, je comprends pas. Alors là je comprends pas. Bon, on aura l'occasion de refaire des tests hein, et puis sinon je reprendrai mon classique RPG. Très bizarre. J'ai verrouillé le véhicule et pourtant il n'a pas tiré les missiles sur lui mais sur moi. Bizarre. Bizarre me diriez-vous. Donc voici le clocher qu'on vient de libérer à l'instant. Le jour se lève en plus, donc c'est parfait. Comme ça on va bien se faire voir. Et par contre il y a des ennemis partout, c'est dingue. C'est dingue. Et je n'ai plus de seringue malheureusement. Oh c'est bon, il y a des feuilles bleues sur le chemin. Oh j'ai de la chance. Non mais il y a des ennemis partout frère. Oh. On peut pas être tranquille. Au secours. Attendez, je récupère ça. Là, on va éviter de se faire cramer. Voilà, comme ça je peux me confectionner. Hop, voilà, 2 petites seringues. Qui vont m'être fortement utiles. Là il y a des copains. Vous avez intérêt à pas tout faire capoute hein. Non je vous préviens hein. Bah c'est fait. Alors là il vient de dire, je sais pas si vous avez entendu,
On va bientôt contrôler plus d'avant-postes que l'ennemi. Mais c'est faux, on contrôle déjà plus d'avant-postes que l'ennemi dans... Bah là il ne reste plus que 3 avant-postes hein, concrètement hein. 3-4 pardon. Donc oui, non, si, oui, on en contrôle plus que eux ils n'en possèdent. Donc on respecte mon travail quand même s'il vous plaît hein. Parce qu'on en a parcouru du chemin quand même hein. On a parcouru le chemin. Ah oui, et puis là on a de la hauteur gratuite et ça c'est chaud ça, c'est bon ça. Bon, ça se passe dans les mines hein, visiblement. Ah, d'où le nom les mines hein, bien sûr. Ok, une alarme là. Il est en train de la réparer en plus. Une alarme là. Et une alarme là. Quoi? C'est si facile que ça? Wesh. Alors ça va être l'avant-poste le plus simple hein. Le plus simple en termes d'alarme en tout cas. Parce que là j'ai juste à... Voilà, j'ai juste à... Eh ben Keo. Keo, c'est pas lui qui chante justement on a parcouru le chemin. Ouah, le hasard de dingue. Le hasard de dingue. Ouais, rien à voir. Oui, je veux dire, je sais plus ce que je disais. Oui, j'ai juste à shooter les deux Nos ordres sont d'éviter la mine condamnée. Les deux alarmes là-bas. Et celle en bas de moi. Attendez, confirme-moi, il y a 3 alarmes. Oui, c'est ça. Donc il y a juste elle que je peux pas avoir si facilement. Je me tâte. Et en même temps, bah écoutez, attendez, je vais m'éloigner parce que sinon ils vont entendre le tir. Ah. C'est bien fait, ils entendent le bruit quand même. Parce que dans d'autres Far Cry, quand t'es en silencieux, ils entendent pas. Sauf que la vraie vie, c'est que ça s'entend quand même. Hein. Ah, ça c'est gênant. Oh, ça c'est gênant aussi. Bon, je dis que c'est la plus simple, mais peut-être que je n'ai pas pesé mes mots non plus, quoi. Hein. Peut-être que je n'ai pas pesé mes mots non plus. Je vais pas user de seringue. Je pense pas que ce soit nécessaire. Alors, le seul problème. Attendez, hein. Je peux tenter un truc, mais. Comment je descends, moi? Ok. C'est bon. Je suis dans le game. Je suis dans le game. Où est l'alarme? Oh non. Oh non. Elle est là. Merde, c'est quoi qui fait ce bruit? Et ça me saoule. Ça me saoule les bugs d'élimination, putain. Ah, ça me saoule hein, vraiment hein. Ne reculez pas. Attendez, je me barre. Ah. Je m'attendais à mieux, j'avoue. Ok. Ah. Je peux monter ou... Oh my god. Bon allez, je vais me mettre à l'intérieur. Un petit peu de lecture. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause. Wesh. Ils sont un peu violents, non? Oh bâtard! Bâtard, tu fumes! Yo, le mec qui m'a. Là. Touché. Coulé. C'est bien, je suis en sécurité au moins là-dedans. Merde. Oh non! Voilà! Allez, plus qu'un type. Les charognards vont te bouffer. Ah ouais? C'est toi le charreau. Allez hop, ça dégage. Par contre, ça me saoule les bugs d'élimination. Enfin,
Si je l'avais éliminé correctement, je pense que j'aurais eu une chance de pas me faire cramer et de faire ça genre trop stylé. Mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi. Mais bon, au moins, on a quand même réussi sans alarme. Et c'est l'essentiel, j'ai envie de vous dire. Bon. Puis le lance-roquette, pas terrible hein, quand même. Hein. Le lance-roquette, il est pas terrible. Allez les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas évidemment le like ou le dislike. Le commentaire qui fait plaisir, je vais vous lire avec le sourire. Et puis l'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, tout simplement. Oh putain, quel débile. J'étais en train de chercher la fiche de propagande. C'était notre terre, notre avant-poste. Tout à fait. Maintenant. Allez, c'était Mkolo. Plein de bisous. Connard, ça m'a saoulé là. Allez hop. Allô. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il me propose même pas de... Allez, va te faire foutre. Allez. Ciao tout le monde.